Ouais, y'a. Non, mais je ne comprends pas l'affaire de l'OBCC, l'affaire du Baxi. Imagine donc le petit Gabonais qui est venu ici hier, le dernier de la classe. Il vient prendre le bac devant nous. Un comme moi, 9 ans d'expérience. Mince! L'histoire, ce n'est pas simple. Je ne sais pas comment l'histoire là me fait réfléchir, Eya. Partout là où tu passes, peu importe le carrefour où tu passes, on te dit que le Gabonais a eu. Le Gabonais a eu. Et lui-même, il sonne de la trompette partout. Attends un peu, ça veut dire quoi, on parle de lui partout. Mais si c'est qu'il a eu son bac, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi on doit parler du Gabonais dans tout le village? Pourquoi? On doit parler de lui partout, pourquoi? Pour un petit bac. On va parler de lui partout. Moi, je suis un gars humble. J'ai joué le bac 3 fois. Tu vois un peu, non? Oui, c'est vrai, je reconnais, c'est vrai. Le petit là a eu son bac 1 fois. Mais ce n'est pas normal. Il était dernier de la classe, ça ne s'explique pas, Béné. Mais si c'est qu'il s'est mis au travail au dernier moment, ce n'est pas une bonne chose. Il a réfléchi. Le Gabonais est bête de nature. C'est pas question de bêteté. Laissez-le, il a eu son bac. Koukouma, ce qui me fait rire, toi tu parles de 3 ans. Moi, ça fait 9 ans que je fais le bac. Je suis devenu la risée de ma famille. Tu ne peux pas t'imaginer. Je ne peux même plus parler fort. Mon oncle m'a dit, prends seulement le bac, je te donne le travail. Depuis que je cherche le bac là, je ne trouve pas ça. Même petit, un rejeton, il vient prendre le bac devant les gens. Mais il a eu le bac, c'est bien, non, c'est une mauvaise chose. Le Gabonais connaissait quoi en classe? Ça ne veut rien dire. La Gabonais... vie appartient au premier venu. Le Gabonais, c'était le dernier de la classe. Ce qui me gêne, c'est qu'il était assis devant moi au bac. Il n'a même pas été capable de me dire qu'un Koukouma prend la balle ici. Soyons sérieux. Attends un peu, est-ce que tu l'avais demandé là où tu veux te montrer? Je dois lui demander. Ça tu prouves le réseau. Non. Chacun sauve son camp, c'est comme ça. Tu es dans le mauvais côté. Non, ça n'a rien dit. En tout cas, c'est votre problème là-bas. Oh, le bachelier! Nous, bachelons. Ça dit quoi? Changer de confiance. Ça dit quoi, non, Kwambi? Non, ça va, gars. Il y a la foi. Non, ça va, gars. Yes. Il a mis à la démarche du matin. C'est ça, non? Ce sont les responsables. Ouais, Bené. Hey, toujours belle. Bon, les gars, ça dit quoi, il y a la forme? Non, il y a la forme. Il y a la forme, mais tu ton ignores ton histoire quoi. Me fait plaisir. Hein. Ah bon, ouais. On est toujours pas jaillis. Oh, ça va, une bière, s'il vous plaît. Tu vois même comment tu es devenu une célébrité du jour au lendemain. Ah bon? Assez. Tout le village parle de nous. Tout le village. On parle de toi partout. Wow. Je suis trop content de ta... Donc, ton succès me... Quel beau souci. Non, s'il te plaît, la 33. Ouais. Ton succès me booste vraiment dans la vie. Non, vous savez, le fait que j'ai pris le bac, c'est très cool. Hein. Mes parents sont fiers. Déjà, comme je parle déjà comme un bachelier. C'est-à-dire, ce gars parle déjà dans toutes les locales. Mes parents sont fiers de moi. Maintenant, quand je parle à la maison, ça vaut tout. Mais non, moi, je vous dis, les gars. Il faut comprendre que la vie, non, c'est pas la course. La vie, c'est la patience. Vous voyez, non? Aujourd'hui, j'ai eu. Demain, vous pouvez aussi avoir votre tour, il n'y a pas de problème. Et moi, ça me fait plaisir que vous me soutenez, en fait. Non, ça me plaît. Non, je partage ma joie avec vous, les gars. Non, c'est bien le Gabonais. Le secret de la vie, c'est le travail. Non, ça va? Tous mes frères sont en Europe. On m'a seulement dit que Nkunkuma prend le bac. Tu viens travailler, tu viens faire dans la pétrochimie ici. Tu auras de l'argent. Mais ça me dépasse. Toi, tu écris d'abord très mal. Tu as bonne mauvaise main. C'est vrai, il écrit comme la poule. Les gars. Ne te permets pas. Son écriture est souvent comme si la poule. Ma tante m'appelle. Allô, Tantine. Béné, s'il te plaît. Allô, Tantine. Donc, le gars est déjà éloquent. Hein. Je dis, il appelle même Béné ça, une seule fois. Ça, c'est l'orgueil. Et Yaf, faisons ce qu'on s'est dit. Moi, je ne veux pas revenir sur ma décision. Béné,
sais que j'ai eu mon bac. Donc bientôt là, je vais quitter de ce village. Et depuis je te drague, tu me fais comme tourner comme un mauvais esprit. Donc il est temps que tu prennes ta décision. Parce que quand je parle, il m'a va en ville. Tu peux comprendre. Donc j'attends ma réponse. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, le Gabonais, c'est vrai, tu as raison. Moi aussi, je t'aime bien. Mais c'est juste que je voulais voir la situation de l'avenir. Tu vois un peu, non? Donc, mais comme j'ai vu que ça peut être très bon, j'accepte ta proposition. Oh, Seigneur. Béné, tu acceptes? Oui. Oh! Non, c'est ma tante. En fait, elle veut m'inscrire à l'université privée. Moi, je ne veux pas. Je vais aller en voir. Voilà. C'est mathématique. Elle me pense à aller faire physique. Moi, non, c'est normal. Tu as un bac D. Tu peux faire mathématiques. C'est possible. L'année prochaine, c'est à vous le tour. Vous venez me retrouver en quoi? Normal. Promis. Normal. D'accord. Le Gabonais, c'est comment ta conscience te juge déjà? C'est le bac. J'ai mal, aïe. Mais le Gabonais, c'est quoi? J'ai mal au ventre. Ok, faites quelque chose, non? Tu veux qu'on fasse quoi? C'est le bac, non? Ce sont les effets du bac. Les effets du bac, comment? J'ai mal. Le Gabonais. J'ai mal. Tu sais? On dit souvent que, attends, je t'explique. Quand tu fais trop de mal, avant de mourir, ça va te rattraper. Ça veut dire quoi? Il a fait quoi? J'ai déjà joué le bac 4 fois. Comment tu expliques que le Gabonais qui est venu hier, il était assis devant moi à la salle de compo, comme tu le vois là. Il a eu le réseau et ne m'a pas dit. Moi, j'échoue, il réussit. Qu'est-ce que vous avez fait à l'enfant d'autrui? Le Gabonais. Allez! Le Gabonais. Et Yafa, vous êtes assis. Vous voyez vos grands-mères mourir, vous êtes assis. Ce sont les effets du bac. Attendez un peu. J'espère que vous n'avez pas mis le poison dans sa boisson. Mais non. Baisse. Il va aller faire sa médecine là en enfer. Un petit comme ça. Très bien, il veut faire les mathématiques. Et les gars, écoutez, tu sais, quand tu as le bac, en fait, il dit même quoi? Je pense qu'il est à blanc, non? Il wattise. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que tu es en train de voir. Ce sont les effets de son bac. On l'a inscrit dans une école de formation en enfer. Mon coucou, comment? Akie, Eya, pourquoi tu me presses même? Tu vas me faire le vin, va finir là-bas aujourd'hui. C'est même comment? Le vin va finir que toi, tu n'as pas les yeux. Tu n'ouvres pas les yeux. À ton habit. Toi, tu ne vois pas qu'il est en train de nous appeler là-bas pour nous ridiculiser. Comment ce que tu dis est pertinent. Hein? Depuis que le Gabonais a eu son examen là, il est devenu orgueilleux, arrogant, vantard. Moi, en tout cas, moi j'ai eu une bonne idée. Le Gabonais, c'est un voyou. Il va nous faire honte. Ok, laquelle? Je propose qu'on le supprime. Hey, tu vas procéder comment? La question est, est-ce que tu es d'accord? Bien sûr! Ok. Laisse-moi faire. Je m'écris. Qu'est-ce que vous avez fait à l'enfant d'autrui? Le Gabonais,
Le Gabonais, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a fait à l'enfant de